tout le monde, c'est Max Macadam. Bon bah voilà, comme promis, petite vidéo sur le Can-Am Spyder. Donc 1000 cm3, exactement 998. Faites le stop, faites pas attention. Donc voilà, donc on part en petite balade là. Donc on fera le tour tout à l'heure, on va faire un petit arrêt. Donc en ce qui concerne les Can-Am Spyder, donc celui-ci il est de 2009, donc embrayage hydraulique, c'est une boîte 5 vitesses avec une marche arrière. La position de conduite, on est, je sais pas comment dire, c'est bizarre, on est comme sur une moto, on a les pieds un peu en arrière comme ça. Ouais, je dirais comme sur un roadster, un genre de MT07, voilà, comme une MT07, si vous voulez un ordre d'idée quoi. Donc deux sortes de Can-Am Spyder de 2009, il y a le RS, donc celui-ci, et il y a le RSS. Donc pas grand chose en différence, mis à part la sellerie qui a des surcoutures, enfin des surpiqûres de couture sur la selle. Et des amortisseurs un peu plus fermes, mais c'est tout. Mis à part ça, ils se ressemblent tous les deux. Et la couleur, voilà, le RS, donc comme celui-ci, il a été fait tout en noir. Il a été fait en noir et jaune et en noir et blanc. Et le RSS, il est en noir et orange. Il est assez beau, vous pouvez aller le voir sur le net. Donc voilà. Donc non, c'est pas trop mal. Les amortisseurs là-dessus, c'est assez souple. La conduite, faut quand même le tenir. Pour ceux qui ont déjà roulé des quads, c'est un peu le même style de conduite. Il faut vraiment tirer sur le guidon. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que ça accroche le pavé. C'est un truc de fou, quoi. Ça accroche le pavé, c'est un truc de fou. Il y a un genre de système ESP. Ah ouais, ça pousse quand même. Hein. Donc je disais, il y a un genre de système... Oh, il est en panne. Oh merde, ça c'est con ça. Je dis ça, j'aimerais pas être à sa place, franchement. Ouais, il y a un genre de système ESP, c'est-à-dire que dans les virages, si on force vraiment, si on passe fort, il va déraper de l'arrière, mais il y a un genre de ESP en fait qui vient couper l'allumage. Donc impossible de partir en glisse. Donc ça fait quand même 108 chevaux pour 313 kg il me semble. Donc rapport poids-puissance, c'est pas trop mal quoi. Hein. Même dans les cols, hein, ceux qui aiment faire du col en bécane et tout ça, le Can-Am est capable de suivre, hein, largement, il est largement capable de suivre. Hop, c'est mon clignotant, j'ai oublié. Le seul souci aussi de ce modèle-là, c'est les moteurs qui chauffent beaucoup dû à tous ces carénages en fait, qui lui font cette gueule de requin. Ça chauffe vraiment pas mal. Là, comme vous pouvez le voir, on est à la moitié. Donc là, il fait froid aujourd'hui. Hein. Enfin, il fait froid, il fait 10 degrés. Mais par contre, en plein été, vu l'été qu'on a eu, je sais plus, du 38-39 degrés. Vous pouvez rajouter 2 crans à la barre de température moteur. Hein. Donc voilà. Bon bah là on va entamer un petit dépassement, comme ça on va voir la... Là on est en deuxième. Allez ma petite dame, on dépasse, non? Moi je dépasse. Avec la ligne Leovince SBK, c'est un bruit phénoménal, et encore la chicane elle est encore dessus, Une fois avec mon père, on l'a enlevé. Ah, ça faisait un bruit. Et c'était un truc de malade. On vous entendait à 1 ou 2 km déjà. Ah non, c'était une sonorité incroyable. Il y en a que ça intéresse, ils peuvent toujours aller voir le nouveau Can-Am. Donc c'est le Can-Am Spyder F3. Il me semble qu'ils le font donc en 1000 cm3 mais aussi en 1300. Alors là c'est carrément tout nouveau. Il a une gueule carrée, beaucoup plus agressive que celui-ci. Le mode de conduite c'est autre chose, car là on a les pieds en avant, comme sur... en fait c'est comme si vous étiez en bagnole, voilà, vous êtes assis sur votre siège en voiture, les pieds sont légèrement vers l'avant, et ben là c'est pareil, exactement pareil. Voilà, vous avez vu là, j'ai ralenti, il y a la sécurité qui s'est mise en route. Donc oui, donc Spyder F3, les jambes en avant, le guidon un peu plus haut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui change? Le bras oscillant à l'arrière qui pivote. Ah, il n'est pas fixe, il s'oscille comme ça, comme les amortisseurs avant. Donc la tenue de route, à mon avis, elle doit être encore mieux. Bon, apparemment les amis, il y en a, il veut jouer derrière. Avec une Audi RS3. Quand même une RS3, hein. Un jeu de 108 chevaux. Hein. Ah, je crois qu'il y a un pote à moi qui est devant. Si vous avez vu l'Alfa GT, l'Alfa Romeo 156, je le connais. On va aller voir. Salut.